La première visite à mon père, Luma était, je devais avoir 6-7 ans. Et donc on est en 51-52. Et j'avais mis une cravate à élastique avec la tour Eiffel dessus. J'étais en culotte courte et je suis rentré dans cette usine qui pour moi était une usine absolument pleine de mystère et de fascination pour moi, qui était le Luma. Donc c'était dans le bâtiment de la rue Réaumur. À la fois c'était... on sentait que ça vibrillonnait partout, on courait dans les couloirs, c'était dans l'après-midi. Et donc il y avait une montée en puissance de la fabrication du journal. Et puis mon père m'a assis, et ça a été pour moi le symbole des rédactions pendant de longues années, dans un énorme fauteuil à bras de cuir usé, élimé. Mais il y avait comme ça dans chaque bureau, il y avait toujours un bureau, un ou deux cendriers en bakélite, cacadois ou noir passé. Des dossiers partout. Les types avaient des cigarettes en papier maïs avec la cendre qui tombait, tellement ils étaient excités en défendant soit un édito, soit un fait divers. Parce que c'était ça qui était magique dans cette force du journal. Et puis ça sentait le tabac froid partout, partout, partout. Et puis il y avait des dépêches qui tombaient. Et le cliquetis, bien sûr, à l'époque, des machines d'agence qui tapaient. Et puis la dépêche sortait, elle annonçait l'exécution des Rosenberg, parce que c'est un truc qui me frappe, parce que Luma s'est beaucoup engagé là-dessus. Ou alors ça annonçait un résultat sportif, ça annonçait... Tac, 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 ça cliquetait. C'était fascinant, ça. Bonjour. Voilà. Moi, pourquoi je la vends? Parce que c'est Luma. Oh, c'est une vieille histoire. Seulement, pour la raconter, cette histoire-là, moi, j'en connais qu'un. C'est Marcel. Marcel Cachin. Au moment où Jaurès fonde l'Humanité, la classe ouvrière française n'avait pas de journal quotidien pour la défendre. De nombreuses fractions socialistes rivales et opposées divisaient le prolétariat. Jaurès fit appel à leur unité. Et l'unité se fait autour de l'humanité.